Il y a un truc à dire tout à l'heure, mais là, il y a trop de bruit. Alors, il y a trop de bruit, c'est compliqué. Ils vont partir, ils vont partir. Vas-y. En fait, voilà, j'étais il y a 10 jours, j'étais à la manif du 2 octobre pour la police. Oui, le 2, la manifestation des policiers. Voilà, le 2 octobre. Et je me suis dit, je vais y aller en gilet jaune pour les soutenir. Bon, ça, c'est pareil bizarre, mais en fait, je fais ce que je veux. Avec ton gilet, ton RIC dans le dos et ton ustensile qui est ici. Et Marou aussi. T'es venu avec comme ça. Tout à fait. Et j'étais parfaitement accueilli par la police, sans aucun problème. Et avant la manifestation, il y a une journaliste qui s'appelle de Quotidien. Je ne savais pas que c'était Quotidien, c'est TF1, la merdasse. Oui. Et qui m'a interviewé. Alors je lui ai expliqué que je venais pour défendre la police. Pour une fois que tu manifestais comme nous, pour les mêmes causes. J'ai fait eux qui étaient dans la rue, je me suis dit, bah, ça serait une bonne idée d'y aller. Mais quand j'ai dit ça, ça l'a dépouillé, ça l'a dépouillé complètement. Elle voulait absolument que je dise que je venais pour casser du flic, pour les insulter. C'était un grand média alors. Voilà, c'était Quotidien. Quotidien, c'était MC, c'était F1. Voilà, c'était F1. Et il m'est arrivé la même chose avec 10 minutes après avec France Inter. Pareil, France Inter, il me demande pourquoi je suis venu, alors je me dis la même chose. Et puis à ce moment-là, il y avait un autre gilet jaune qui était derrière. Il dit, ah ben non, la police quand même, et ils sont morts, on ne peut pas manifester avec eux. Ben tout de suite, France Inter a tendu le truc à l'autre. Donc les médias, ça m'a fait bien réfléchir en fait. Ces médias-là, c'est-à-dire BFM TV et compagnie, ils veulent absolument monter les gilets jaunes contre la police. Et c'est ce que je me dis, c'est complètement idiot de marcher dans leur truc. Parce qu'eux, ils ont peur qu'on s'allie. C'est dépêchant parce que ça y est. Donc ils ont très peur qu'on s'allie. Et j'ai dit, il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc ils sont roulés dans la farine, les gars. Ils nous montent les uns contre les autres. Et à mon avis, il faut pour moi se laisser prendre à ça. Enfin, ils vont pas dire à la police d'insulter tout le temps, il y en a qui sont très sympas. T'as fait tous les actes toi, hein? Pardon. T'as fait tous les actes. Pas tous, mais non, à part depuis 6 mois, oui. Bon, bah, ça avance. Allez. Merci. Oui, ils sont gentils. Alors, regardez les films, ils sont gentils, ils sont pas méchants ces gens-là. Il y a des crétins, évidemment. Mais dans l'ensemble, ils sont plutôt sympas. Et c'est pour ça que je dis que c'est idiot de jouer le jeu des milliardaires. Quoi. Enfin, ils se frottent les mains. Quoi. Ils se voient qu'on s'engueule, ils se frottent les mains. Il ne faut pas marcher là. Enfin, c'est ce que je voulais dire. C'est bon. Bravo. C'est quoi ton prénom? Je te laisse partir. Ton prénom, c'est quoi? Didier. Merci Didier. Je te laisse partir, ouais. Allez, vas-y, pars avec moi. Allez, hein.